pour Adil Bouhima et moi aujourd'hui, c'est un grand honneur de recevoir ce prix qui en fait s'adresse à l'équipe de la direction des magazines et des documentaires, mais aussi à toute la chaîne, à toutes ses forces vives. Et par cette occasion, je tiens à remercier principalement tous ceux qui y ont contribué. Je ne citerai personne pour n'oublier personne, mais ils sont nombreux. Monteurs, opérateurs de prise de vue, de son, graphistes, et aussi tous les conseillers et collègues qui nous ont aidés à faire ce reportage, qui en fait parle de développement rural, d'énergie renouvelable, de pompage, de stations d'énergie solaire à travers des pompes alimentées par l'énergie solaire. هذه الجائزه هو اعتراف بالمجهودات اللي تتقدم الدوزيف في مجال التحسيس بالمواضيع والقضايا اللي تتعلق بالبيئه وبالقضايا اللي تتعلق بالتنميه المستدامه. هذا الشيء ماشي جديد، منذ سنوات كثيره والقناه تواكب هذه القضايا وهذه المواضيع من خلال برامج خاصه، حوارات، روبورتاجات. كاين فرح، كاين واحد هذا شرف كبير بالنسبه لنا كصحفيين، سورتو بان هذه الجائزه تتخص واحد الميدان وواحد المجال اللي تيهمنا كاملين حنا كمواطنين، هو الحفاظ على البيئه هو التنمية المستدامة. Le reportage des deux journalistes de la chaîne de Zem, Youssef Zouitni et Adil Bouhima, se sont distingués pour au moins deux raisons. D'abord parce qu'ils ont montré combien le génie des personnes ou de simples citoyens dans la recherche de solutions appropriées, adaptées à leurs besoins, peut à la fois leur permettre de répondre à leurs besoins, mais aussi de servir d'exemple à d'autres communautés. Ce d'autant plus que le reportage a été étendu à des pays frères et amis africains, sénégalais et de Burkina Faso, et qui, par leur origine, montrent qu'il y a un savoir et un savoir-faire à partager.